aspirateur balai Samsung Bespoke. On en parle parce que ça ressemble plus vraiment à l'aspirateur balai. Bonjour à tous, Thomas de chez Defitech. Je vous présente le nouvel aspirateur Bespoke, aspirateur balai, qui ne ressemble plus du tout à un aspirateur balai comme on a derrière nous, etc. Pour une raison bien simple. Alors, premier avantage, mais en fait, il a une poubelle. Ah oui, vous allez me dire, il n'y a pas d'introduction. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Il y a une poubelle qui aspire en fait le contenu de ceci, du réservoir. Parce que plus le réservoir va être vide, plus ça va tourner correctement et moins ça va sentir mauvais. Donc, quelque part, le fait qu'il y ait cette petite poubelle qui aspire en fait le contenu du réservoir, c'est pas mal fait. Donc on va y revenir tout de suite, mais d'abord, les accessoires portables et branchés. Oui, alors franchement, c'est génial. Hein. Ok, vous les avez, donc ils sont branchés. Pourquoi? D'abord, vous avez les broches, je vais vous les présenter tout de suite. Hein, mais... Et vous avez aussi une deuxième batterie. Autonomie d'une batterie en fonction vitesse de croisière de l'aspirateur, c'est plus ou moins 2 heures. Donc avec une aspiration normale, on pourrait presque aller 4 heures au départ de l'aspirateur. Ok, donc la fonction accessoire. Et en fait aussi, le système ici, c'est que l'aspirateur, il est... Vous voyez, il charge évidemment sur son socle, mais il est autoportant. On ne doit pas l'accrocher au mur. Ça, c'est pratique. Et vous le mettez dessus, il charge. OK, vous n'êtes pas obligé de le vidanger à chaque fois. Et si vous appuyez sur son bouton-là, vous allez le vidanger. Tout ça, on va en parler tout de suite. On va commencer par les accessoires. On va les expliquer ensemble. C'est parti. Alors, il n'y a rien de plus agréable, je trouve, que d'avoir un support à accessoires complet. Vous ne les perdez pas, vous savez ce qui vous manque et vous savez ce dont vous avez besoin, vous savez les remettre à la même place. Moi, je trouve ça extrêmement pratique. Donc, tout d'abord, brosse rapide, et il est marqué Pet Tool, donc outil pour les animaux, les sièges de voiture, etc. C'est une brosse un peu plus dure ici, en plastique dur. On ne sait pas l'ouvrir, mais voilà, vous savez aspirer les sièges, etc., les fauteuils. Très bien fait, ce genre de choses. Voilà, on l'a déjà nous utilisé au magasin. L'accessoire suceur long avec la longe. Et on le remet à sa place. Ok, tout est clipsé, donc ça risque pas de tomber. Ça, c'est assez bien fait aussi. La brosse de position ici. Et surtout, vous savez couder la brosse. Donc, quand vous l'adaptez sur ceci, vous savez aspirer au-dessus de vos meubles. Au-dessus de vos meubles de cuisine, facilement. Sans vous faire mal au dos, on le met dans l'autre sens. Voilà, il n'a qu'un sens. Ici, et vous avez ici la brosse pour parquet. La brosse douce. Elle est extrêmement douce ici. Et ça, vous savez la démonter. On doit juste... pousser ici derrière, clax, et vous savez démonter la brosse. Pour nettoyer, etc., nettoyer l'embouchure qui se trouve ici. Et vous avez bien évidemment la deuxième batterie. Maintenant, on passe à l'aspirateur proprement dit. L'aspirateur proprement dit, je vais vous le montrer. Voilà, vous avez le réservoir. Donc tout d'abord la batterie, on va l'enlever. Vous avez juste le push à enlever, c'est ici derrière. Oups. Vous le remettez. Voilà. Faut pas de force particulière pour la batterie. Vous l'allumez ici. Médium. 30 minutes d'utilisation. Minimum. Jet. Donc 4 puissances d'utilisation ici. Vous savez évidemment vidanger vous-même votre réservoir. On est bien d'accord. Donc c'est une utilisation normale à la base. Mais évidemment, si on achète ce genre d'aspirateur à la base, c'est pour... qui se vidange tout seul aussi. On va nettoyer la brosse après pour vous montrer. Mais donc, quand vous l'allumez, c'est manipuler facilement ce genre d'accessoire. Il met le temps approximatif d'utilisation. Voyez, on va nettoyer la brosse pour vous montrer ça maintenant. Ici. Vous avez ici sur l'avant. Voilà. Vous savez enlever ceci et écoutez bien. Vous avez, je vais le mettre près du micro, vous avez des petites, comme des petites lames inversées, hein, très légères, mais qui peut couper éventuellement les cheveux, en fait, ici. Comme ça, vous n'avez pas tout qui s'enroule à l'intérieur. Et alors, vous avez, elle s'appelle ici, évidemment, Dual Drum, car vous avez, en fait, une deuxième brosse qui tourne pour, en fait, un peu protéger également votre sol. Donc, on va dire qu'ils ont bien tiré les leçons des anciens et ils l'ont franchement amélioré. Voilà, je dois dire, en plus d'avoir un très beau look, ils l'ont bien amélioré. Maintenant, le pourquoi du comment de cet accessoire, c'est donc cette fameuse petite poubelle. Donc vous le mettez évidemment à l'avant, on va replier ceci, on le met dessus. Voilà, je vous montre l'intérieur. Vous avez le cache qui est uniquement décoratif, hein, c'est juste magnétique. Ça se remet très facilement. Ok, vous accédez, il vous explique comment faire, vous accédez et là vous avez en fait...
Hop, là, les petits sacs aspirateurs. Vous tirez et c'est un aspirateur normal au final. C'est comme un conteneur aspirateur tout à fait normal. Quand vous le faites, vous remettez ceci. Hop, il n'est pas bien remis. Voilà. Quand votre aspirateur est en charge, si vous voulez le vidanger, vous appuyez ici. Et écoutez bien, ça va vite. Hein. Voilà. Vous pouvez laisser faire ou l'interrompre. OK, bon, là, il est tout nouveau. Hein. Il vient d'arriver. Donc, mais c'est pour vous montrer. Donc, il a d'abord ouvert le clapet et puis aspiré et nettoyé en fait l'intérieur du réservoir. Et si maintenant, on va voir le réservoir en soi, regardez. On déclipse le dessus. On a l'accès ici au petit moteur et aux petites... Nettoyez toujours bien. Hein, on ne sait jamais qu'un petit truc s'est bloqué dedans. Donc, c'est important. On met ça sur le tapis. OK, vous avez le petit filtre ici à enlever. On le nettoie à l'eau et on le laisse sécher, bien évidemment. On ne force jamais... Hop, voilà. Et vous accédez à l'entièreté de votre aspirateur et vous nettoyez bien, effectivement, le filtre à l'intérieur. Voilà, c'est tout simple, mais c'est important aussi pour nous de vous montrer, en fait, ces nouveautés dans les aspirateurs et de vous mettre un petit peu à jour avec tout ce genre de produits. Regardez, il se remonte en vous... Je vous le remonte en temps réel. Hop, il est remis. C'est quand même ultra rapide. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a aidé, effectivement, soit dans le choix des produits, dans la compréhension un petit peu des nouveaux aspirateurs balais. N'hésitez pas à nous rendre visite en magasin, mes équipes sont là pour vous aider, je suis là aussi, vous verrez, si on peut vous conseiller, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, laissez des commentaires, nos autres réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest, si vous avez besoin d'explications, et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.